the sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Bonjour, je suis Marie-Laure Perron, voyante médium, conférencière, organisatrice de salons voyance et bien-être. Organisatrice de week-end. Un soupçon de magie. Ça, on en reparlera une autre fois. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la semaine des énergies. Que va-t-il se passer cette semaine pour la semaine du 8 au 14 juin? Comme vous l'avez su, comme vous l'avez vécu, ce vendredi 5 juin a été une soirée de pleine lune assez costaud. Personnellement, lumbago depuis jeudi, vendredi, impossible de bouger. J'ai réussi à m'asseoir là maintenant pour vous faire cette petite vidéo et elle sera pas très longue parce que la position assise est un petit peu compliquée. Aujourd'hui, on est là pour parler de ce que vous avez choisi. Vous êtes concentré. Ce matin, je vous ai mis en place vos pierres. Alors, on m'a demandé où est-ce que j'avais toutes ces jolies petites pierres. Bon, je vous le dis les enfants, c'est le coffret bien-être en lithothérapie de chez lumtera.com. Voilà, comme ça vous savez d'où j'ai ces petites pierres. J'avoue, je les adore. Je les mets dans ma poche, je choisis un peu ce que je veux suivant l'humeur du jour. Aujourd'hui, on est lundi, on est le 8 juin et que va-t-il se passer? Si tu as choisi la pierre jaune, je ne donne plus le nom des pierres parce que vous êtes beaucoup à ne pas les connaître. Alors, si tu as choisi cette pierre, la jaune, tant bien, je l'ai choisi. Alors, si tu as choisi la pierre jaune, sache que c'est la guérison. Pas forcément la guérison que pour la maladie. J'explique. Cette carte-là, elle ressort, c'est la guérison. C'est enfin la prise de conscience, ton envie... Ah oui, ça, je peux pas trop lever les bras, moi. Ton envie de sortir du lot, de sortir de ce bureau, de cette maison. Il y a quelque chose qui fait que tu t'es senti étouffé. Cette semaine, tu vas prendre la décision. La décision, c'est laquelle? De guérir, d'écouter tes énergies, d'écouter tes chakras et de pouvoir les laisser vibrer. On n'oublie pas sophrologie, yoga, méditation pour apprendre à travailler toutes ces énergies-là. Cette semaine, tu vas pouvoir guérir, guérir de tes blessures, guérir aussi de ces blessures du passé qui te lient. Et ça, je fais un petit clin d'œil à une amie à moi qui s'appelle Marie-Pierre et qui nous a fait pas mal de conférences sur la psychogénéalogie. Elle viendra nous en faire d'autres parce que c'est vraiment assez intéressant et troublant. Et pourquoi la guérison? C'est aussi la guérison du passé. Le passé ressort beaucoup en ce moment pour pas mal d'entre vous. Alors si tu as choisi la pierre jaune, n'oublie pas. La guérison, le mieux-être, mais aussi apprends à aller mieux, apprends à écouter et peut-être aussi à creuser ce que le passé t'a réservé. Tes ancêtres, ce qu'ils ont vécu, ça pourra aussi t'expliquer. Cette semaine, donc, c'est une semaine de guérison, c'est une semaine plutôt assez mouvementée aussi. Je dirais que les ailes de ma carte, là, elles sont dans le mouvement. Donc, pareil. On ne rentre pas dans le conflit cette semaine, on reste calme, on reste posé, on attend pour voir ce qui te réserve la semaine prochaine. Il y a certaines personnes d'entre vous qui vont prendre des décisions, il y en a qui vont partir de leur travail parce qu'elles se font ou ils se font un peu trop écraser. Et la guérison c'est ça aussi, oser dire stop, oser communiquer avec votre boss, oser lui dire « Hey, je ne suis pas là pour en manger plein la tête » et ne jamais avoir de petits mots sympas, ça aussi c'est important. Allez, on continue. Tadam! Si tu as choisi la pierre rose, c'est le quartz, la pierre rose, que te réserve cette pierre? Ah, prudence!
Dis donc, les amis, cette semaine, c'est une semaine de communication, mais aussi de prudence. Il va falloir écouter votre intuition et cette petite voix intérieure qui vous dit pas tout de suite. La carte, voilà, c'est cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est la carte de la prudence. Alors, cette semaine, si tu as décidé de signer un contrat, lis bien les petites lignes, lis bien les petits astérix. Attention à toi parce qu'il risquerait d'y avoir une petite ligne que tu as loupée. Et ça pourrait te jouer de mauvais tours à partir de février 2021. Prudence, si tu as envie de faire appel à un entrepreneur, vérifie bien, Infogreffe, existe-t-il toujours? N'est-il pas en redressement judiciaire? S'il a des bons retours? Si il a bien son assurance à jour? L'assurance, la prudence, c'est quelque chose qu'il va falloir que cette semaine, de lundi à dimanche, tu sois prudente ou prudent. C'est une carte qui te dit que tu es capable de faire les choses, mais ouvre l'œil, regarde bien, analyse ce qui se passe. C'est important. Moi, je dirais, si j'avais cette carte pour moi, je dirais, Marie-Laure, cette semaine, tu te la joues cool, t'y vas pas. Tu fais rien. Pas de signature, pas d'appel de gros clients, pas de recrutement. Cette semaine, moi, je ne ferai rien. Bon, ok, je peux pas faire grand-chose. Mais cette carte-là, elle me le dit. Sois prudent. Donc si tu as choisi le quartz rose, c'est la carte de la prudence. C'est pas le moment de lancer une campagne de publicité ou un relooking de ton site. Il y aura plein de petites merdouilles qui seront là. Donc prudence. On se calme. On se la Si joue t'as cool. choisi la pierre bleue, Oui, je suis pas restée longtemps, très très longtemps assise, je vous le dis tout de suite. La pierre bleue, ah, l'effort. L'effort. Alors, la pierre bleue, l'effort. T'as envie de changer d'école, t'as envie de changer d'université, t'as envie de maigrir, t'as envie d'apprendre une nouvelle langue, t'as envie de changer de métier. Tu peux y arriver. Mais fais l'effort. Fais l'effort. La carte de l'effort, c'est t'as des capacités en toi, mais t'aurais tendance à te laisser un petit peu aller. Cette semaine, c'est l'effort. Cette semaine, tu mets les bouchées doubles. Si cette semaine, t'as un entretien pour un poste, pour un job, tu sens bon, tu te mets du parfum, tu t'habilles bien et t'es souriant et t'y vas. Cette semaine, c'est la semaine de l'effort. L'effort, c'est pour acquérir un contrat. Je pense aux personnes là, qui m'ont envoyé en message privé savoir si les jobs allaient être trouvés. Oui, ils vont être trouvés les jobs, mais fais l'effort. Fais l'effort d'oser appeler les candidats, pas les candidatures, ose appeler l'employeur. Là, il y a eu plein d'annonces qui sont passées. Appelle. Envoie ta candidature de façon spontanée, ose rappeler, fais l'effort. Tu as envie de changer de maison, d'appartement, fais l'effort, cherche, tu vas trouver. Cette semaine, vous avez les cartes en main. Si vous voulez les poser sur la table, faites l'effort. Si tu as choisi la pierre bleue, tu es capable de réussir. Mais on pousse un petit peu sur ses capacités, on va au-deçà de ses capacités, parce que cette semaine, tu es capable de réussir et d'aller plus haut que tu ne penses. Fais-toi confiance. On parle souvent de confiance, d'estime de soi, de connexion avec son moi intérieur. C'est cette semaine pour toi. Tu as choisi la pierre bleue, fais l'effort et tu vas y arriver. Ok? Bon, j'espère que cette semaine sera positive pour vous. De toute façon, moi je suis Sagittaire et je vous le dis tout de suite, on reste au taquet, on reste positive. On a des projets plein la tête, on les écrit sur papier et on est capable de réussir. Si toi aussi tu aimes ces petites vidéos, n'hésite pas, tu t'abonnes sur ma page YouTube, tu partages à des amis s'ils ont envie. Et puis je te dis à la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur avec un dos tout jeune, sans douleur. Voilà, je t'embrasse bien fort. Merci à toi d'avoir été là. Ces quelques minutes, nous les avons passées ensemble. La semaine du 8 au 14 juin, elle va être assez chaotique pour certains. Pour d'autres, elle sera un peu plus calme. Mais résultat des courses, on écoute son intuition, on se fait confiance et on avance. Je vous embrasse, les amis. Ciao, ciao. N'oublie pas, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour le live que je n'ai pas pu faire vendredi. Ciao!